Bassin. Saloun. Tente de remettre à son capitaine le centre de Bassin. C'est jusqu'au second poteau. La tête remise. Ça se dispute un peu dans la surface de réparation. Et la première frappe de la rencontre, elle est pour les visiteurs. Premier ballon capté par Romain Ricier. Intéressant de voir dans quelle zone il va choisir de la mettre. Est-ce qu'il va essayer de mettre au premier poteau pour qu'un coéquipier coupe ou au contraire au second? Parti s'enrouler à la tête. Ça passe au-dessus. C'était Bassin. C'était à la réception de ce centre. Deuxième tir du FC Rouen. 7ème minute de jeu. C'est coup de pied arrêté pour les Rouennais. On essaie de mettre tendu dans le but. Par Gadjibis, ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, le ballon qui revient pour les hommes de Maxime Dornalo. Super contrôle de Saloun. Dédoublement de Bassin qui n'est pas servi pour l'instant. On va plutôt s'en servir pour entrer de l'intérieur. Abdelmoula qui va réussir à armer, à frapper. La bonne détente de Risser, le premier arrêt. Vraiment difficile pour le portier traité par le AC Strasbourg. Première belle frappe pour les Rouennais, 39e minute de jeu. C'est Abdelmoula. On va essayer de récupérer ce ballon, ne pas laisser Bassin relancer tranquillement. Et finalement, il n'y aura pas de dernière opportunité, ni d'un côté ni de l'autre. 0-0 à la pause, le geste agacé d'Arnold Temanfo. Mais pour l'instant, deux équipes qui se rendent coup sur coup dans cette première journée de championnat national. Puisqu'on a vu encore une fois un Chaïd et Marié bien cadré, rien de souci, peut-être mettre un petit peu plus de bazar dedans. Et c'est lui justement qui était au départ de cette action. C'est lui encore qu'on retrouve le cadre de Chauvin à la surface de réparation. Est-ce qu'il va réussir à frapper? Oui, mais c'est contré par le défenseur rouennais. Enfin voilà, un peu de mouvement, un peu de décalage et tout est parti de la montée de Ryan Swissy. 48e minute de jeu et déjà une première occasion pour les Dijonais avec cette première frappe de Kader Nchobi. Christopher Ibaye le contrôle, qui va réussir à orienter. Je crois que c'est ce qu'il voulait faire. Et les Dijonais qui mettent un peu plus de pression là, dans ce début de seconde période. Gaston Gérard apprécie. Et Arnaud Demanfo qui va peut-être encore essayer d'accélérer le jeu avec Vdaouche. Le 1 contre 1, le centre maintenant, c'est repoussé, ça revient sur Jordan Marié, la frappe tendue. Ça passe à côté, ce n'est pas contré. Mais déjà, 50e minute de jeu, la deuxième frappe en 2 minutes pour les Dijonais. Pour l'instant, mais dans les intentions et dans les prises de balles, on sent que il y a de la technique dans les pieds. Ça va être intéressant de voir sa progression au cours de la saison. Et là encore une fois, c'est lui qui gratte ce ballon et qui est à l'origine de cette action avec la montée de Vdaouche. Il y avait peut-être un petit surnombre à jouer. Le centre en retrait pour Ryan Swissy, la frappe de l'extérieur du pied. Ça passe à côté, mais encore une fois, dans cette seconde période, c'est vraiment le DFCO qui met la pression. L'appel de Moko, bien cadré. On réussit quand même à trouver Vdaouche en entre-jeu. Contrôle un petit peu long, il a été pris finalement. Une très grosse montée de Lopi. Et là, ça peut aller vite. Avec Gadjemis, la surface de réparation, le centre, petite aile de pigeon, ça ne fonctionne pas. Et la reprise ensuite, et super barré de Risser sur cette superbe frappe de Bezekami. Les Dijonais sont les plus dangereux depuis le retour de cette seconde période. Mais cette frappe-là était la première cadrée, 56e minute de jeu. Makotungo, c'est bien joué de trouver des joueurs disponibles. Superbe relance jusqu'à Marié. Et là il y a de l'espace un petit peu. Oh, superbe encore une fois pour trouver Marié qui lui a de la place. Il y a une solution côté gauche, une solution côté droit, il va tenter sa chance. Un petit peu trop centré, un petit peu trop faible, c'est capté par Axel Maraval. Là où Nchobi était très haut et il décroche encore. Et quel le bilan, une fois, deux fois avec Gonçalves. Avec Soumaré pardon, il essaie de pousser un petit peu trop loin par Brian Soumaré. Il réussit vraiment à récupérer ce ballon. Il y a du monde en surface de réparation. Il va tenter de mettre ce ballon devant le but. Assalé qui ne peut pas couper. Et Gaston Gérard apprécie